Bonjour à tous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Tipoman, ou plutôt sa version révisée qui a été adaptée pour l'ordinateur. Donc à l'origine c'était un jeu qui est sorti sur la 3DS, donc la console portable de Nintendo. Là ça arrive sur ordinateur avec un gameplay et un côté technique qui a été réadapté pour l'ordinateur. Alors avant de démarrer, je voudrais remercier As de Pique qui m'a passé la clé du jeu. Il en a reçu une du développeur, moi je ne l'avais pas, et donc grâce à sa clé je peux vous faire la présentation. Alors on est parti, on va recommencer de tout le début, puis on va essayer d'aller le plus loin possible pendant la demi-heure du jeu. Alors, on commence en tant qu'un petit O, un petit zéro qui représente la tête de notre personnage. Petit à petit, on va choper des nouvelles parties du corps et on va donc être un petit peu plus performant. Vous pouvez vous déplacer avec ZQSD, donc pour le moment je ne peux pas sauter, je ne peux que rouler car je n'ai que la tête. Et vous allez voir dans le jeu, les mots ont une force, une influence importante sur les événements. Donc vous allez très régulièrement, on va dire, combiner des lettres pour arriver à faire un mot en particulier qui pourra débloquer l'action. Donc par exemple là vous avez DRP, vous voyez, en fait ça veut dire drop une fois que l'on passe. Donc le jeu va également vous donner des indices comme ça. Vous voyez, ils vous disent pas descend, mais ils l'écrivent, ce qui est intéressant. Alors ok, donc vous voyez là, la petite planche, le mot qui est écrit c'est plank, donc planche, ce genre de choses. Alors, et là maintenant nous avons notre petit torse, donc à partir de maintenant, on va pouvoir sauter. Je ne peux pas encore sauter, enfin juste un tout petit peu, juste voilà, du moins pas tant que je ne pourrais pas sauter tant que je n'aurai pas des petites pattes. Alors on continue et regardez ce qui m'attend, hop. Et donc maintenant je peux courir et je peux sauter. Il me manque encore les bras pour être le plus performant possible, mais on devient bon. Donc là on en est encore au prologue, hein. Là on va dire on prend vie. Hop, oh, regardez. Tac, mon premier bras. Donc dans le jeu, on est un héros, hein. On est le héros qui va sauver le monde, etc. Donc c'est marrant, le jeu est assez épique, je trouve, surtout pour un jeu de ce genre, ce qui me fait marrer et qui est intéressant d'ailleurs. Alors, ok, donc un mini tutoriel. Donc on peut appuyer sur... Voilà, ils nous disent appuyer sur espace. Donc j'appuie sur espace, je chope la petite lettre. Maintenant ils me disent appuyer sur W. Hop. Vous voyez, on le soulève et ils nous disent appuyer sur S pour faire redescendre. Donc voilà, ils nous aident un petit peu. Donc en gros, on peut porter les lettres. Ça va être très important pour le futur parce que vous allez devoir combiner donc les lettres pour les fameux mots. Hein, voilà. Alors. Hop. Hop là, parfait. Ah, et regardez là, si c'est pas un beau petit bras... pas le choper. Ah. Ouais, les bestioles sont intelligentes. Hein. Il a su choper la corde pour la raccourcir. Hop, on met la lettre O, vous voyez, de move. On la met sur on et la plateforme démarre. Oups. Donc là, les points d'interrogation me permettent de m'accrocher, hein. Hop, je suis arrivé. Voilà, vous voyez, vous pouvez vous pencher, j'ai déjà essayé d'aller sur le côté gauche, c'est pas possible, hein. Donc pour le moment, pas besoin d'y aller. Oula, attention, loin. Boum! Trust, confiance. Alors, je trouve les monstres vraiment impressionnants et classe, et ils foutent les boules. Run, run, ouais, je veux courir. On met ça. Au revoir. Ah, j'appuie sur espace pour sauter, c'était la flèche Z, oui, c'est Z pour sauter. Ok, on continue. Alors là, craft new words, donc faire des nouveaux mots. Donc là, je vais devoir trouver un mot qui va me permettre de faire baisser la porte. Ouais, je vais les combiner.
Une fois qu'ils sont combinés, je peux appuyer sur entrée. Et là, je vais devoir trouver quelque chose qui me permet de donner l'ordre ou d'activer la porte pour qu'elle descende. Et on doit mettre en bas les lettres qui ne servent à rien. Alors, je suis allé un tout petit peu après là, donc je sais le mot qu'il faut faire. Donc, j'ai pas besoin du R. J'ai pas besoin du deuxième, voilà. Et je vais devoir... Hop. Down. Donc, descendre. Et je suis content avec mon mot. J'appuie entrée. Et vous voyez, l'ordre est donné et la porte... est activé. Donc il faut trouver parfois le lien, le mot que le développeur veut pour que les développeurs veulent pour activer les machines ou les événements. Ok, hop. Oh, raté. je me suis passé balancé. Ok, il va falloir faire gaffe. Ok. Gauche. Droite. Gauche, et on y va, hop, on est reparti, gauche, non, je vais pas faire la même erreur, on va bien se balancer, hop, là il n'y a pas besoin de autant, on y va. Non, non, ouh, j'ai fait le balancer. Donc là, je vais devoir faire un mot. Par exemple, ce que j'avais fait, ouais, j'appuie sur entrée. J'avais fait run la première fois. Mais non, c'est pas le bon mot. Par contre, vous voyez qu'il y a ici une petite lettre. On la prend, on la ramasse sur le dos. On saute, on la fait tomber et on va combiner. On a 20 turns. Vous voyez, pour faire tourner la roue qu'il y a juste au-dessus. On continue. Tac, tac, tac. On grimpe. Donc j'étais déjà passé là, non. Il n'y a plus le petit objet à collectionner qui est là-haut. Donc il y a des petites phrases qui nous sont données régulièrement. Je ne sais pas à quoi elles correspondent. Ce sont des phrases à la première personne qui disent « Elle m'a appris à faire ça. Elle m'a appris à avoir le courage de combattre. » Donc c'est un petit monologue écrit. Je ne sais pas si c'est mon personnage qui parle ou si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, je n'ai pas encore réussi à découvrir ça. Alors, hop, hop là. Et là, je me suis loupé. Heureusement, on réapparaît pas loin hein, dans le jeu. Alors, on est reparti. Il faut... faut que je puisse marcher, hop, 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 parfait. Donc là, je peux pas les choper, vous voyez. Attention, regardez, je vais, hop, si je vais là, hop, boum. Donc il faut piéger un petit peu. Voilà. Donc soulève. Et on y va. Donc je vous ai montré, ce moment-là, je vous l'ai montré dans l'intro. Donc regardez, si je me fais choper, les monstres sont vraiment cruels, hein, voyez. les monstres n'hésitent pas à nous détruire, donc faut faire vraiment gaffe. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait vraiment peur. Enfin, moi, ça me fait... ça me stresse quand ils apparaissent. Pas peur, mais je suis stressé. Alors, on y va. Chop, hop, vite, vite, vite. Je peux pas le choper de devant, hein, les nouvelles, là je vais le choper du côté là. Voilà, vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui apparaît pour nous protéger. Trois contre un. Mais par contre, boum, il a pété le sol. Ouais, moi, je trouve vraiment les mises en scène sont cool. Hein. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de monologue vraiment pendant l'action. Mais je trouve qu'on sent la force, vous voyez, des événements. Bon, on continue. Oula, je crois que j'ai laissé un petit peu de sang noir. On peut combiner des lettres, là. Thank you.
sais pas si je vais les combiner ou quoi. On va les pousser, on va voir. Alors à partir de là, je suis en terrain inconnu. Ah oui, je sais quel mot. Ok, open. Ok. Ah, oulala. Goog. C'est quoi le mot? Gooded. En tout cas, c'est un gros verre qui a l'air vraiment dangereux. Ouais. Sérieux? Ah, il fait rien à moi. Oh, ok, il veut juste pas que j'apporte des lettres en fait. Ouh là là. Au moins il me poursuit pas, il y a quoi en bas à droite? F. Il faut peut-être que j'appuie apporter. Alors je vais. Non, non, okay, je vais essayer d'apporter ça, je vais voir si je peux l'emmener avec moi sur les. Ah bah non, je sais quoi faire. Hop. Ah. Il m'a eu. Ah, elle est pas mal ça. Ok, donc il faut faire gaffe. Non, je voulais pas le jeter à lui. Elle réapparaît pas la lettre? Si? Ah, je peux pas l'acheter assez loin. Ok, je vais essayer de la porter avec moi là-haut, alors, du coup. Je peux pas l'acheter par-dessus le précipice. Hop. Non. Ouais, non, je peux pas l'acheter. Ok. Non, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je peux au moins passer là-haut? Sans qu'il me chope. Ouais, ça a l'air bon. D'où? Non, non, non. Faut se débarrasser de lui. Je vais donner le dé, il dort là? Ok, il dort. Ok. Ah là là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a du côté là? Pourquoi est-ce qu'il faut que je vienne là? Oula. Gaz. Je peux pas le retirer. Ça m'a tué. Est-ce que je peux le désassembler? Non. Donc on se remet là où il n'y a pas de gaz. Allez, allez, sort de la partie loyal gaz. Hop, ok, je crois que je suis bon. Ouh. Je peux pas le pousser. Snap, spans, c'est quoi encore cette histoire? Ouh, c'est bon. Et il y a encore d'autres chemins? Côté droit, déjà que tout à l'heure, il y avait un autre chemin en haut. Ah, peut-être qu'il me ramenait là, en fait. Oula. Ah, un mot.
Alors. D'accord, oui. Ah, c'est juste un mot, ok, c'est juste pour un bonus. Ouais. Donc elle raconte comment la guerre, en gros, embêtait tout ce qu'elle aimait, etc., etc. Et qu'elle ou il, elle ou il essayait de rester fort. Ok, alors. Bah ça tombe bien, là il y a un haut, je vois bien un down ici, en les combinant. Ok. Donc je peux pas amener les lettres là-bas. Il y a un on que je peux activer tout en haut pour le switch. On va y aller. Ok. Oh là, je crois que c'est pas bon là. Ok. je me suis fait balancer. Ok, ils ont l'air bien synchro là. Vite, vite. Non. Il faut que je l'active, je l'ai pas activé au bon moment. Ok. Alors j'ai enfin compris, regardez, le deuxième. Le deuxième gaz est pas activé là. Mais voyez, il est activé là. D'accord. Donc faut attendre qu'il soit ouvert. On le déconnecte. Et on va pouvoir se reposer, on va dire, je pense. Je sais pas si c'est le mot. Au deuxième. Ok. Allez. Oh, j'ai réussi, purée. Bah, dis donc, fallait le voir ça. J'étais tellement concentré que je le voyais pas. Bon, bah, on continue. Oula. Crush. Ok, bon, on va foncer. Il y a quelque chose là. Ouh, j'ai peur que c'est quelque chose qui va me tuer. Il y a un petit monologue à droite. On va y aller. Voilà. Tac. Zut. Bon bah je l'ai eu, ok. On va pousser. À mon avis, là je dois faire raise. Ouais, c'est ça. Gaz. On va foncer, on va voir, est-ce qu'il y a la possibilité... Non, oula, c'est du... C'est du dangereux, là. Hein. Je sais pas comment passer, du coup. Alors, après plein d'essais, j'ai enfin trouvé la solution. C'était pas facile. Alors d'abord, j'avais essayé de faire... vous voyez, cela. Alors, on va séparer les lettres qui ne servent à rien. Et j'avais tenté de faire R. Donc, en faisant R, j'ai un petit courant d'air qui apparaît. Le problème, c'est que le courant d'air n'arrive pas à virer le gaz. Et également, de toute façon, vous voyez, je peux pas passer là. Donc, il faut de toute façon faire monter ça. Donc, il faut faire la commande raise. Donc, on y va. Voilà. Et donc j'ai le P en trop, donc j'ai fait des tests avec le P pour savoir ce qu'il fallait que je fasse, et j'ai trouvé. Vous voyez, on a gaz, et en mettant la lettre P, on obtient gasp. Le gasp, ça nous envoie un... On prend un petit coup d'air, vous voyez, hop, on y va. On le fait tomber. Et là, hop, vite, vite. Hop là, alors il y a un petit monologue en dessous. Ah, je suis désolé, je vais pas les ramasser parce que bon, le temps que je redescende et tout. Ah, peut-être que je pourrais le faire. Ouais, non, il faudrait retourner au P. Non, ça va être la misère. Ok, donc on va pas prendre le risque. On continue. Tant bien que mal.
Et là, on arrive ici. Vous voyez, et il fait hate, donc la haine. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois fuir? Je crois que je dois fuir. Où ça? Il est obligé d'attendre. Tiens la haine, ça t'apprendra. Alors rush, hop. On continue à grimper. Et... ok. Je pense pas que je puisse atteindre le P. Non, je peux pas l'atteindre. Wound. Oula. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Doon. Wood. Kun. Alors là, je vais devoir faire des essais. Ah, down. Ça j'ai déjà fait. Ok. Et là j'ai un U et un C qui restent. Bon, on va les garder, je suppose. Il y a le P là-haut. Il me faudrait le P pour le up. Comment choper le P? Alors, j'ai tenté d'empiler, mais je crois que j'ai trouvé une solution. Cut down. Non, ça ne fonctionne pas. On va essayer cut. Ah, voilà. D'accord. Ouais, parfois, j'essaie des choses trop compliquées pour rien. Alors, hop. Il me faut le U. Hop. Hop. Hop, là, attention. Alors, il va me falloir, je pense, le P à nouveau. Faut que je sois plus rapide. Non, non, non. J'ai fait n'importe quoi. Ok, bon, on est reparti. Hop. Je veux le P. T'en en veux pas. On en veut. Ok, on respire. On jette, on pousse. Ok, on est bon. On va pas pouvoir apporter la lettre P au-delà d'ici par contre. On respire. Ouh. Et là. Voilà. Oula. Allez, viens, 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 viens. Donc on a un S là-haut. Donc je... alors, je reconnais certains des puzzles hein, de la version 3DS. Alors, j'y ai pas joué moi-même. Mais j'ai vu... les gens y jouaient. Et je sais par contre que les puzzles sont pas complètement dans le même ordre. On a peut-être des nouveaux également. Comment je peux grimper là-haut? Ok.
On peut aller en bas, on va pas aller en bas, on va aller en haut cette fois-ci. Ah non! Hop! Hop! Ouh, pourquoi j'ai pas pu grimper là? Voilà. Donc là, je vois un A, un I, un R. Je peux pas choper le R, ok, donc on va grimper. Ah, et là-haut, c'est juste... c'est juste un monologue, ok. Oula. Ok, si je fais un peu trop de zèle pour le saut, c'est pas bon apparemment. Ok, je peux pas aller en haut. On va redescendre. On court, on court. Ok, c'est bon. Ils veulent m'interdire d'amener des lettres ici, mais y en a, ça fait longtemps hein, qu'il n'y a pas eu de lettres. Alors on a un A. Si je fais turn, on va essayer. En général, le run, ça me donne toujours un turn. On va tester. Je sais pas si ça a donné quelque chose. Turn. Ah, là où ça a tourné. Et je sais pas ce que ça a fait, mais ça a dû faire quelque chose. Bon. Ah là, ok. On peut aller là-haut, on va déjà voir ce qu'il y a du côté droit, il y a un D qu'on va faire tomber. A mon avis c'est là-bas le côté principal, donc on va grimper, voir s'il n'y a pas un petit truc à collectionner là-haut. Ouais, il y en a un. Il y a un ennemi. Donc là j'en suis à 6 sur 12. Des choses à collectionner apparemment. Ok, hop. Là où il y a rain, donc pluie. Oula, est-ce que je vais pouvoir y aller? Wow. Ok, drain. Est-ce que je peux passer? Je peux passer, génial. Et donc il se remet à pleuvoir et l'eau se remplit. Ah bah tiens. Original ça. On continue, on va bientôt s'arrêter. Je crois qu'on est à peu près à la demi-heure. Alors j'ai coupé pas mal de fois pour les passages où je devais réfléchir. Donc je suis pas sûr exactement de où j'en suis au total. Mais... Ah, oula. On peut peut-être descendre. Si je faisais ça... Une mer. Ça ne change rien. Si je saute. Ok. C'est la même chose. Je crois. Ok. Le problème, c'est comment je la fais tomber la lettre là. Là-bas. Il
Purée! Ça m'arrange pas, ça! Ah, ok. Voilà, le P est en bas. Voilà, c'est une misère. Non, je voulais pas aller là. Comment je vais au centre? C'est celui-là, je crois. Si je fais ça, ça m'aide pas vraiment. Si ça, ça m'aide. Ah, la galère. J'arrive pas à virer le... Mais il n'y a pas besoin. Je suis bête. Il n'y a pas besoin de ça. Alors. Ah mais non, là c'est pas bon là. Il faut que je rouvre. Faut que je rouvre le deuxième. Voilà. Il suffit de le pousser en fait. Voilà, je me compliquais la tâche, moi. Moi, je pensais ouais, les amener par le chemin d'en bas. Et en fait, je visais, vous voyez, de pousser. Ok, bon, bah, c'est comme ça. À ton tour. Space. C'est ça qu'il faut faire? Là, je peux rien faire. Si. Espace. Non, ça c'est en français. Escape. Oula. Ok, c'est bon, c'est bon. Je dois aller là-dedans, je dois aller là-dedans. Ok. Oh là là. Oh ce bordel pour arriver à faire des trucs. Ah ouh. Oula. Ok. Là, ça sent le buzz. Bon, on va peut-être pas le faire et au moins avancer, voir s'il y a quelque chose de classe. S'il y a pas, de toute façon, on va s'arrêter. Je pense que je suis largement au-delà de la demi-heure. Donc j'ai pas, vous voyez, limite à 30 minutes exactes, hein, mais j'aime bien limiter mes présentations parce que je sais que si c'est trop long, ça, pas tout le monde regarde même. Oula. Oula.
Ah, il y a un bras, il y a mon bras. Vite, vite, donne-moi le bras. Je sens qu'on va, on va se le faire piquer. La grosse machine d'avant va venir le voler. Cours, cours vers le bras. Ah, je le savais. Ils veulent vraiment pas que je récupère le bras. Hein. Waouh, la taille du truc. Donc pour récupérer le bras, faut le tuer en gros. Rien faire. Il court. Ouh, il nous protège lui. Hein. Il nous aime bien. Et donc voilà. On est arrivé à la fin en tout cas de la présentation. C'est pas mal, hein. Moi franchement je trouve ça classe. Si ça vous intéresse, bah regardez là. Oula, il y a des piqûres qui me regardent bizarrement. Si ça vous intéresse, regardez la description. Et puis bah moi je vous dis à bientôt sur un autre jeu. Bye bye.